Marie Méloniard, et non, vous ne rêvez pas. Attends, tu veux pas t'habiller? Genre. Ah oui. Donc non, vous ne rêvez pas. Il y a bien les acteurs du film Le Seigneur des Anneaux, enfin du moins aussi du Hobbit, qui vont justement, enfin qui ont lancé un crowdfunding. Effectivement, la maison du professeur Tolkien, le fameux professeur J.R.R. Tolkien, celui qui est notre père de l'univers à tous, bien sûr, la seule vraie religion, les autres sont des hérétiques. Et sa maison étant à Oxford, elle était en vente, enfin elle est en vente, et effectivement, il y a justement l'acteur Sir Ian McLean qui a incarné Gandalf. Comment il s'appelait l'autre acteur là, qui joue dans Bilbo, là. Martin Freeman. Martin Freeman et John Rhys-Davies, qui a Gimli, qui ont lancé une opération de crowdfunding pour la racheter et en faire un centre Tolkien. À Oxford. Donc, voilà le truc à Oxford, en sachant que la maison est à Oxford, mais le truc le plus dingue, enfin moi en tout cas ça m'a, quand j'ai vu ça. Déjà, ça m'a refait. Déjà, ma journée est refaite. Hein, voilà, parce que j'ai vu ça vendredi. Aujourd'hui, on est samedi. Et la vidéo sort, je sais pas quand, peut-être demain, c'est-à-dire dimanche. Tout un. On appelle ça. Enfin, vous pouvez participer au crowdfunding. Ils demandent à la hauteur de 4,5 millions de livres sterling, soit environ 6 000 dollars ou 5 millions d'euros. Et vous pouvez effectivement supporter justement ça en donnant. Vous pouvez du coup d'ores et déjà facilement donner. Il y a plusieurs paliers. On a le premier, c'est le Hobbit Gifts, donc le cadeau du Hobbit, si mon anglais est bon. Et en gros, si vous donnez une petite donation de 20 livres, soit 25 dollars, soit je pense environ 22 euros, si on fait sur 20 ans, je crois, peu importe, votre nom sera inscrit dans le livre rouge qui sera du coup sur le site à partir de 20 euros. Après, si vous êtes chaud patate, là on commence déjà à taper dans du lourd, donc le cadeau du nain, et là c'est du 200 livres. On va parler en euros, parce que au moins ça sera plus simple, j'en ai marre de faire les conversions. Donc ça soit 200 euros, non seulement vous serez dans le livre rouge, mais en plus, les coups de feature, un nouveau display. Et vous pourrez apparaître aussi, votre nom pourrait apparaître aussi justement sur les murs de la baraque qui seront adaptés à ça. Vous avez du coup le cadeau des hommes, 2000 euros. Voilà, plus hein, de 2000 euros. Plus de 2000 euros en tout cas, voilà, plus de 2000 euros. Vous pourrez quoi? Vous pourrez être invité lors de l'ouverture spéciale à Oxford. Et vous aurez un petit déjeuner Hobbit. Ça c'est cool. Donc 2000 euros. Donc si vous êtes prêt à claquer 2000 euros, bah putain, même moi je sais même pas comment. Déjà je vais claquer 20 balles, je vais faire ça juste après. Parce que merde quoi, c'est la maison du professeur, bordel. Il faut savoir, c'est que c'est. Il n'y a aucun centre Tolkien, il n'y a aucun bâtiment, aucun, on va dire, musée sur sa vie, sur son travail. Donc ça serait une première en fait, si vraiment ça se fait. Je pense que vous et moi on est d'accord que ça va se faire, hein, parce que vu le nombre de fans qu'on a à travers le monde. Et donc du coup, après vous avez le cadeau des elfes qui est de 20 000 euros. Vous êtes prêts à hypothéquer votre bagnole? Parce que là, c'est vous devenez du coup, vous devenez justement un soutien du centre. On vous remercie du coup. You will be invited to attend a free special event. Vous serez invité à des événements. Vous serez invité à des événements spéciaux. Et vous aurez le droit de venir au week-end spécial de la célébration du musée, enfin du centre. Et après, nous avons le cadeau des magiciens, plus de 200 000 euros. On peut être sûr que ça va être des artistes qui vont payer ça, parce que nous, je crois pas qu'on puisse. Même en cumulant tous vos dons sur Tipeee et Utip, je sais même pas si on y arrive. Et vous allez du coup recevoir un The Other Thank You Gestures. Tu me traduis ça? Thank you gestures, c'est un acte de remerciement. Vous êtes remercié, vous aurez le droit d'avoir une chambre dans la zone dédiée. Vous aurez le droit à une chambre dédiée, enfin une chambre dans le jardin. Attends, a room or an area. Attends, une chambre ou un lieu qui sera dédicacé à votre nom. Voilà, truc vraiment cool. Un brin d'herbe. Un brin d'herbe, voilà, exactement. Et après, nous avons le don des bavards. Bah là. À partir du moment où vous donnez même plus que ce que vous pouvez. Au-dessus de 250 000 euros. Au-dessus de 200 000 euros, voilà, 250 000 dollars. Vous pourrez les contacter et leur dire vous deviendrez un auto de marque, quoi. Il n'y a rien d'autre. Mais. Il n'y a rien d'autre. C'est déjà pas mal, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, le plus logique, c'est soit 20 dollars, enfin 20 euros, on va dire, ou soit 200 euros. Ça reste faisable à nos bourses. Hein, donc, c'est fou, quoi. Il y a le Sir Ian McLean qui avait posté ça sur Twitter. Enfin, le lien est en description si vous voulez aller voir ça plus précisément.
Voilà, là c'était une petite réaction à chaud de cette nouvelle qui fait fortement plaisir, genre beaucoup. Peut-être informer que le nombre de pourcents du crowdfunding, où est-ce qu'on en est. Ah oui. Hier parfois. On était vendredi 4 décembre, on était à 6%. Alors j'avais dit j'allais donner. Et actuellement on est à 9%. Bon d'accord, on va pas faire via PayPal, hein, puisque ça n'a pas fonctionné. Ouais, voilà. T'as pas le. Et alors, you need British, I have not British. For Gandalf. For Frodo. For Tolkien. For Tolkien. Faith. Nation. Ok. Alors bah, maintenant, bah, floutez. Là, vraiment floutez. On n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas voir. Alors, bien sûr, ça sera, le lien sera dans la description. Hein. Le lien de l'article sur lequel je l'ai vu la première fois. Le lien du site. Et le lien justement de la vidéo Twitter qui a annoncé ça sur le Twitter de justement Sir and Mike. Enfin, j'ai retweeté ça sur mon Twitter. Ah, mais je suis con. Faut les transactions magiques. La carte bancaire. Je suis une carte. C'est la carte. C'est la carte. Et ça, c'est fait. Voilà. Les peuples d'Arda soutiennent cet événement. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite réaction, la réaction à chaud. Cette vidéo, du coup, sera montée un peu bordéliquement. Mais bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, on verra bien. Donc, du coup, je vous invite. Mais genre, vraiment, c'est pas comme si la chaîne YouTube était axée à la fois sur l'histoire et surtout sur l'univers du professeur. Donc, je vous invite, voire même, je vous intime l'ordre d'aller soutenir ça. Parce que si on peut aller visiter ça, visiter la maison du professeur, merde, quoi. En tout cas, je ne vais pas dire en espérant que la vidéo vous ait plu, ça sert à rien. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir justement ça, ce qui vient d'apparaître. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous répète, tous les liens sont en description si vous voulez donner tout ça et voir les trucs d'origine. En tout cas, c'est génial. Voilà. Donc, réaction à chaud terminée. C'était Galethorn des peuples d'Arda pour vous servir. Namaillé.